des millions de sociétés sont fondées chaque année dans le monde. Il est parfois impossible de détecter qui en sont les propriétaires qui restent anonymes. Cette propriété cachée des sociétés mène facilement à des abus. Début 2016, l'affaire des Panama Papers a exposé la façon dont les agents publics et fraudeurs fiscaux du monde entier se servent trop souvent de sociétés immatriculées légalement de façon anonyme pour organiser et dissimuler blanchiment d'argent, corruption et pots de vin. D'après un récent rapport de Global Financial Integrity, les pays en développement perdent chaque année $1 trillion en raison de marchés illégaux ou frauduleux qui impliquent pour beaucoup des entreprises anonymes. La propriété cachée constitue un enjeu de taille pour le secteur extractif. Les ressources naturelles appartiennent aux citoyens d'un pays à qui les profits tirés du pétrole, du gaz et des minerais devraient revenir. L'ITIE, l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives, est la norme mondiale qui exige des pays et des entreprises de divulguer les étapes clés de la gestion de leurs revenus pétroliers, gaziers et miniers. Malheureusement, en particulier dans les pays dont la gouvernance et l'organisation sont faibles, les droits d'extraction du pétrole et des minerais sont accordés à des sociétés incompétentes et irresponsables qui n'ont aucune intention d'en faire profiter les habitants du pays concerné. Ceci pose également un problème pour les entreprises honnêtes qui ne savent pas avec qui elles font affaire. L'African Progress Panel a indiqué que la République démocratique du Congo avait perdu au moins $1,36 milliard entre 2010 et 2012 en raison de 5 marchés miniers sous-évalués. Ces contrats ont été octroyés à des sociétés offshore dont les propriétaires se cachent derrière une chaîne d'entreprises anonymes. En Ukraine, une société aux antécédents ambigus dans le secteur pétrolier et gazier récemment créé s'est vue décerner la licence portant sur le plus important gisement de gaz du pays. Ce marché a été suspendu, puis annulé quand le propriétaire légal a refusé de divulguer les noms des propriétaires réels derrière la société, retardant ainsi le développement de cette importante ressource nationale. En février 2016, les 51 membres de l'ITIE ont convenu de nouvelles règles exigeant des sociétés pétrolières, gazières et minières opérant dans leur pays de divulguer leurs propriétaires réels. Le gouvernement est également tenu de publier ces données. Elle exige aussi des agents publics, appelés personnes politiquement exposées, de faire preuve de transparence en matière de propriété d'entreprises pétrolières, gazières et minières. La publication de l'identité de ceux qui obtiennent les droits d'exploiter les ressources contribue à la prévention des conflits d'intérêts. Les pays de l'ITIE optent pour la transparence dans le domaine de la propriété des entreprises pour empêcher l'évasion fiscale, la corruption et le blanchiment d'argent. Ceci contribuera à une situation équitable pour toutes les entreprises et à l'obtention par les gouvernements des revenus qui leur sont dus. Jusqu'ici, peu de pays ont rendu publiques ces informations. Cette mesure des pays de l'ITIE fera donc une grande différence. Ceci a suscité un effort de réforme plus vaste. De nombreux pays de l'ITIE ainsi que d'autres parties se sont engagés à mettre en place des registres publics des propriétaires réels. L'appel en faveur d'une plus grande clarté sur les propriétaires réels se fait plus fort. Mais la réforme n'est qu'une partie de la solution. L'appareil judiciaire, la société civile et les autres parties prenantes ont la responsabilité d'examiner attentivement les informations et d'agir pour que ceux qui abusent de l'anonymat des entreprises aient à rendre des comptes. Alors, ensemble, nous pourrons garantir que les industries extractives profitent à tout le monde. Pour en savoir plus, consultez le site
eiti.org/fr/node/6.